Il est 22h. Radio Manœuvre sur RFM. RFM, le meilleur de la musique. RFM. Tous les jeudis, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. Rockeuse, rockeur, vous écoutez Radio Manœuvre. Bienvenue dans la grande émission rock'n'roll de RFM. Et comme RFM, nous allons essayer de vous présenter le meilleur du rock, du blues, du metal, voire du punk. Vous le savez, l'industrie de la musique change à une vitesse hallucinante. Un site américain a calculé que chaque semaine, sur les plateformes, on déverse autant de nouvelles musiques que durant la seule année 1989. 13 millions de nouveaux titres par semaine. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevrons en deuxième heure le groupe français Rock Kokomo, bientôt sur la scène de l'Olympia. Ils nous donneront quelques pistes sur ce qu'ils écoutent en ce moment et ce sera sans doute passionnant. Nous sommes jeudi soir sur RFM et à quoi pensons-nous tous ? Eh bien, comme David Bowie, nous pensons à demain. Nous avons vendredi à l'esprit. Monday morning feels so bad. Everybody seems to like me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. Nothing else that bugs me more than working for the rich man. Hey, I'll change that scene one day. Today I might be mad. Tomorrow c'était David Bowie qui interprétait Friday on My Mind, une des productions légendaires de Shel Talmy. On va y revenir tout à l'heure. Jack White est dans l'actualité cette semaine, car l'ancien leader des White Stripes nous annonce une grande tournée qui débutera le 2 décembre au Mexique, dans la bonne ville de Corona, si vous êtes dans le coin, avant de passer par Hong Kong, l'Australie, le Canada, le Japon et de revenir aux États-Unis d'Amérique. C'est la tournée No Name du nom de l'album et pour buzzer quelque peu sur les réseaux, Jack White nous envoie un nouveau single. Écoutons immédiatement You Got Me Searching, le nouveau Jack White.
Radio Manœuvre sur RFM. C'était Jack White, You Got Me Searching. La disparition du producteur Shel Talmy n'a pas vraiment ému les réseaux sociaux. Pour les connaisseurs, pourtant, ce personnage légendaire est indissociable de l'époque 1965, Swing in London. Talmy était un jeune américain de 22 ans qui débarque à Londres pour tenter de travailler dans le rock. Il se présente chez Decca. Il joue son va-tout et on va lui confier en tant que producteur la réalisation de deux singles qui vont changer la face du rock. En effet, Shel Talmy va produire You Really Got Me des Kings et My Generation des Who coup sur coup. Et en troisième, il produira le fameux Friday on My Mind que David Bowie chantait si bien tout à l'heure. Shel Talmy est parti le 13 novembre dernier à l'âge de 87 ans. Au nom de tous les fans de rock, merci Monsieur Talmy. On écoute un medley, les Kings et les Who dans Radio Manœuvre. Try to put us to
get around. Forget all. Jeudi, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Who, My Generation, avec le bégaiement de Roger Daltrey. Quelques messages et on se retrouve juste après. Tous les jeudis, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. Vous écoutez bien Radio Manœuvre sur RFM. Autre disparition, Peter Sinfield, le parolier fondateur de King Crimson. Là encore, Pete Sinfield a fait énormément de choses fabuleuses. Notamment, il a choisi la pochette et il a rédigé les textes des 4 premiers albums de King Crimson avant de devenir producteur, ce qui fait de lui un fondateur du style prog-rock. Mais quand, en plus, en 1973, il a produit un album tout seul, figurez-vous que c'était l'exceptionnel premier disque de Roxy Music, un des chefs-d'œuvre du glam qui sortit du chapeau magique. D'une santé fragile, Pete Sinfield nous quitte à 80 ans. Bon voyage, monsieur. On écoute un deep cut du premier Roxy Music. Voici l'admirable chanson « Would You Believe ?»
C'était Roxy Music, Would You Believe. Jeff Beck est à l'honneur cette semaine dans Radio Manœuvre. Jeff Beck était un titan de la musique rock, un des meilleurs guitaristes de tous les temps. Il nous a quittés le 10 janvier 2023 et ce jour-là, on peut le dire, le rock à guitare est un petit peu parti lui aussi. Or, on l'apprend aujourd'hui, les guitares de Jeff Beck vont toutes être vendues aux enchères. Certaines d'entre elles pourraient dépasser le million d'euros. Sa strato fétiche a un prix de réserve minimum de 700 000 euros. Et dans le même temps, sort le premier livre en français consacré à Jeff Beck. Ça se passe aux éditions Le Mot et le Reste et l'auteur est un rock critique confirmé, Jean-Sylvain Cabot. Jean-Sylvain Cabot habite dans le sud, il viendra peut-être un jour à Paris nous parler de Jeff Beck longuement. On va écouter Jeff Beck en 1967 et je vous parle de ce livre juste après ce petit morceau, Beck's Bolero. Radio Manœuvre sur RFM. C'était Beck's Bolero. Je vous parle du livre de Jean-Sylvain Cabot sur Jeff Beck et c'est un ouvrage qui devrait plaire à nombre d'auditeurs. Cabot commence par le commencement. Il nous raconte comment Jeff Beck, tout gamin, est emmené au cinéma par sa maman pour voir un film qui s'appelle La Blonde et moi. Et là, sur grand écran, Jeff Beck, tout mioche, découvre le rock'n'roll. Il flash sur le guitariste de Gene Vincent, Cliff Gallup. Ensuite, Jean-Sylvain Cabot va dérouler la longue, l'immense saga de la carrière beckienne. Après tout, il a commencé à jouer de la guitare à 14 ans avec son groupe Les Tridents. Et puis ensuite, il plonge dans la discographie du héros de la six-cordes, album après album. Et là, Jeff Beck, c'est tout style. Blues, rock, hard rock et puis jazz fusion au final. Jeff Beck pouvait tout jouer. C'était le guitariste préféré de tous les guitaristes. Il nous laisse plus de 25 albums, le dernier avec Johnny Depp. Et c'est Jean-Sylvain Cabot en personne qui nous a conseillé le titre qui arrive. Jeff Beck, Johnny Depp, voici Isolation. People say we got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole wide world.
everybody trying to put us down. Got it made. Don't they know we're so afraid? C'était Jeff Beck et Johnny Depp, Isolation. Raphaël, notre ami producteur et ingénieur distingué, m'a envoyé un rare message la semaine dernière. Et ce message disait: dis donc, le nouveau Linkin Park, ça dépote pas mal avec cette nouvelle chanteuse. Et après écoute, merci Raphaël, force nous est de constater que Linkin Park et son nouvel album et sa tournée des stades, ça va être un des grands sujets de 2025. Vous le savez, le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington, s'est suicidé chez lui en 2017. On avait cru le groupe terminé, fini, rangé au garage pour de bon. Or, après 7 années de deuil, voilà que les musiciens du groupe ont eu envie de rejouer ensemble. Et ils ont déniché une chanteuse nommée Emily Armstrong, qui, comme on dit, fait le job. Écoutons Linkin Park, ça décrasse les oreilles, comme dirait Raphaël. Voici leur single Shock, Cut the Bridge. Everything was perfect.
pressure keeps growing. Wanna go to the light and not the shadow, but the branch isn't shiny as the arrow. You don't ever find a way around a battle. You will always choose just to watch it burn. Just to watch it burn. Cut the press, we're on. Jeudi, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Linkin Park qui sera au Stade de France le 11 juillet 2025. La billetterie ouvrait ce matin. Autre grande nouvelle, la réédition d'un album studio de George Harrison, le fameux Living in the Material World, paru en mai 1973 et réédité en novembre 2024 avec un nouveau mixage flamboyant et un disque complet d'inédits, morceaux essayés en studio, retraficotés après, toutes ces choses qu'on écoute une fois avant de les ranger sagement dans nos grosses discothèques. Je vous ai choisi un extrait nouvellement remasterisé de Sue You, Sue Me Blues, commentaire désabusé de Beatles George sur la fin des Beatles, morceau légendaire à plus d'un titre donc. On écoute George Harrison dans Radio Manœuvre.
manqué d'une chanteuse dans l'émission, j'ai décidé tout à fait arbitrairement de passer les Rita Mitsouko, un morceau que j'adore personnellement, Y a de la haine. Voici les Rita Mitsouko dans Radio Manœuvre. Radio Manœuvre sur RFM. C'était les Rita Mitsouko, Fred Chichin, Catherine Ringer, bien entendu. On va écouter The Cure, car il est en train de se passer quelque chose avec leur nouvel album. Nouvel album qui, après 15 jours de vente, s'est retrouvé numéro 1 aux États-Unis. Et ça, c'est une grande première pour les Cure. Ça n'était jamais arrivé. Chez Gibert, je dédicacais samedi dernier. Vous étiez venu en nombre, merci. J'ai découvert qu'il existe deux éditions vinyles de Songs of a Lost World, le nouveau Cure. Il y en a une en plastique gris marbré, superbe, et une autre encore plus chère en vinyle noir. Pourquoi un vinyle noir serait-il plus cher qu'un vinyle gris marbré ? Parce qu'on nous dit que pour la première fois dans l'histoire, ce vinyle noir est constitué de vinyle bio ! Ça alors, on connaissait le foie gras bio, le citron bio, l'alcool bio, mais alors là pour le coup, le vinyle bio, écoutons The Cure, quoi, c'est bio les mecs ! Every time you
kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. C'était les Cure, une chose fragile, Fragile Thing. Et si maintenant on s'écoutait à un hymne absolu du rock qui fête ses 35 ans aujourd'hui, et si on écoutait Neil Young, c'est parti. Yeah.
C'était Neil Young dans Radio Manœuvre. Le groupe Masters of Reality annonce son grand retour. Il va y avoir une tournée européenne. Ils vont faire 4 dates en Angleterre. Il n'y a pour l'instant rien d'annoncé en France. Mais le groupe Masters of Reality, évidemment, c'est un truc qui plaît à tout le monde. Parce que les Masters, c'est un groupe du désert, de la région de Palm Springs. C'est un groupe dans lequel il y a eu Josh Homme qui a fait ses débuts. On va d'ailleurs écouter Josh Homme avec les Masters of Reality. Ils sont enregistrés en Europe, en concert. Ça s'appelle Time to Burn et ça va clôturer l'heure puisque juste après on a nos invités Kokomo. Jeudi, 22h minuit. C'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Masters of Reality, Time to Burn. On écoute quelques messages et on se retrouve juste après ça avec nos invités.